Tommaso, petit constructeur italien, a tout de même marqué l'histoire avec cette De Tommaso Pantera, une voiture qui a été produite pendant près de 20 ans et qui a marqué les esprits et qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo. Et elle débarque aujourd'hui dans Assetto Corsa et elle a donc droit à son track day. Je vous l'ai dit, un modèle produit pendant près de 20 ans a tout de même 7200 exemplaires, pas mal pour de l'artisanal. Cette voiture à moteur essence équipée d'un V8 qui développait près de 300 chevaux avec son 5 litres 7 avait de quoi faire rougir certaines des plus belles supercars de l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, la voici en mode. Alors ce mode est plutôt bien fait, en tout cas visuellement la voiture est très propre, pas grand chose à lui reprocher. Au niveau du son également, ça envoie du très très lourd et quel plaisir de laisser glisser cette belle italienne dans les enchaînements du circuit de Mugello. Un réel plaisir au volant. L'intérieur est plutôt réussi aussi. On a vraiment une fidélité, une finition assez sympathique. Le mode est encore en développement. On continue de bosser sur cette voiture. Il y a peut-être d'autres évolutions qui vont arriver avec peut-être des appendices aérodynamiques supplémentaires. En tout cas, une voiture bien fun à piloter avec ces petits 1300 kg, elles montent déjà à près de 250 km/h ici dans la ligne droite du Mugello. Et c'est un mode que j'ai bien kiffé. Et dans les voitures sportives routières à avoir, celle-ci est une incontournable. Vous pouvez bien sûr la retrouver dans la description. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon track day et de monter le son.